Put your hands together for Jesus. I'm not seeing your happiness. I'm not seeing your happiness. All over the world. Téléspectateurs dans le monde entier. Wherever you may be, partout où vous trouvez. I am sent by the man of God, Prophet Elise. J'ai été envoyé par l'homme de Dieu, le prophète Elise. In this day called Shiloh Day. En ce jour appelé jour du Shiloh. To administer the blood of Jesus water to the people of God. Pour administrer l'eau du sang de Jésus sur le peuple de Dieu. The blood of Jesus water heals. L'eau du sang de Jésus guérit. Deliver. Délivre. Save. Et sauve. And all blessings are in it. Et toutes les bénédictions sont dans cette eau du sang de Jésus. Wherever you may be. Partout où vous vous trouvez. Be connected to this grace. Connectez-vous à cette grâce. Be connected to this grace. Soyez connectés à cette grâce. If you are connected, you will not escape this anointing. Si vous êtes connecté, vous n'allez pas, cette onction ne va pas vous échapper. You will not escape this anointing. Tu ne vas pas échapper à cette onction. Believing is your connection. Croire est ta connexion. As you believe. Et comme tu crois, connected to this grace, tu te connectes à cette grâce. You will be blessed. Tu seras béni. You will be healed. You will be delivered. In the name of Jesus. Stay connected. Soyez connecté. Be in the atmosphere of prayer. Soyez dans l'atmosphère de prière. Be in the atmosphere of prayer wherever you may be. Soyez dans l'atmosphère de prière partout où vous vous trouvez. Don't just look at me as if you are looking at a film. Ne me regardez pas comme si vous suivez un film. Look at Jesus. Regardez Jésus. Look at Jesus. Regardez Jésus. It is Jesus that wants to use this instrument. C'est Jésus to do something new for you. Vous faire quelque chose de nouveau dans vos vies. And whatever that is not planted by Jesus in your life. Et quelque chose ce qui n'a pas été planté par Jésus-Christ dans nos vies. By the blood of Jesus water. Par le sang de Jésus. You are going to be set free. Par l'eau du sang de Jésus, tu seras sauvé. You are going to be set free. Tu seras sauvé. You are going to be healed. Yeah. In the name of Jesus. Yeah. Stay connected. Stay connected. Put your hands together for Jesus.
Yeah.
idiote la ligne de sa mère. Une idiote ça. Elle est où sa mère? Une idiote. What have you done to the mother? Qu'est-ce que tu as fait à sa mère? What? You want to make her to be mad? Quoi? Tu veux la rendre folle? Oui. Why? Pourquoi? Parce qu'elle gâche mes plans. What? Parce qu'elle gâche mes plans. How did she destroy your plans? Comment elle détruit tes plans? Mais pas de Dieu. Faut aller à l'église, faut écouter les parents, faut écouter, When did you want to make her to become run mental? Pourquoi tu veux rendre sa mère folle? Ouais, quand tu vas rendre sa mère folle? Mais vous me dites, elle lâche les plombs avec celle-là. Where is the mother? Où est sa mère? What and what have you destroyed in the life of the mother? Qu'est-ce que tu as détruit dans la vie de sa mère? Bon, pour le moment, rien. Il a seulement des velours de tête. Elle avait, je crois, ici, là, ça souffre souvent. Elle voit que ça souffre souvent, donc c'est moi, mieux souvent. On a vu ça pour qu'elle devienne folle le jour au lendemain. Voilà. You're welcome, maman. Elle m'a très bien. What can you say concerning what the demon is confessing? Maman, qu'est-ce que tu peux dire concernant ce que le démon peut confesser? Le démon confesse ça. Donc, même maintenant, là, je vais vous dire. Speak louder, please. Maman, parle un peu fort. Ce qu'elle dit là, c'est vrai. Peut-être que je n'ai pas de tête là, qui veut vraiment faire. Right now, you're feeling a pain. Maintenant, là, tu as la même douleur. Oui, quand je suis revenue, avant qu'on me passe la prière de ma soeur, je faisais très mal. But you've seen the cause, you've known the cause now. Maintenant, tu connais la cause de cette douleur. J'ai compris. Okay. Right now, she's going to be delivered. And you're going to be delivered through the blood of Jesus' water. And you're going to be freed in the name of Jesus. You unclean spirits. You marine spirits. You mommy water. Pack your load and get out of this water right now. Pack your load and go. Pack your load right now. Right now. Maintenant. Take away your load. Take away your pain. Prends tes bagages, prends ta douleur. Come back here. Reviens ici. Come back. Come in the name of Jesus. Reviens ici au nom de Jésus. Pack your load now. Prends tes bagages maintenant. Pack your load now. Prends tes bagages. Whatever you have deposited in a bottle, pack it out. Remove it. Quelque chose que tu as mis, quelque chose que tu as déposé dans son corps, enlève maintenant. What just means? Suivez-vous. You can see the history, obey the instructions. Vous pouvez voir comment l'esprit imprime. Whatever you have put it into, bring it out. Quelque chose que tu as mis dans son corps, fais sortir maintenant. Remove it. Enlève. Instructions that come with authority and power from Jesus. Vous voir comment l'esprit est venu obéir à l'autorité et la puissance de Jésus Christ. Taking away all the sickness, afflictions, all the baggage, even locate in my body. L'esprit est venu rentrer dans les vies, toutes les maladies, toutes les afflictions qu'il a posées dans son corps. As commanded by the servant of God. Commandé par la servante de Dieu. What just means? Je vous dis comment. Right now, this is the end of you in this body. Maintenant, c'est ta fin dans ce corps. It is the end of you in this body. C'est ta fin dans ce corps. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the blood of Jesus. Au sang de Jésus. Out! 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 Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. I declare you free from your head to your toe. Free in Jesus' name. Je te déclare libre de ta tête jusqu'à tes pieds. Je te déclare free from high pain. Go and succeed in your studies. Tu es libre. I brought your hands together beautifully for Jesus. I'm going to
What happened to you? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis au point. But right now you are on the floor. Mais tu étais au sol tout à l'heure. What happened to you? Who pushed you down? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait tomber? Je ne sais pas. Vous là-bas. You were there and what brought you here? What pushed you to here? Tu étais là-bas et qu'est-ce qui t'a poussé ici? Je n'en sais rien. Right away, just confess that you are a married spirit. Tout à l'heure, tu viens de confesser que tu es un esprit mal. You said you are giving high pain. You have an high pain and you are the cause of it. Tu as dit que tu as des maux de tête, tu as souvent des maux de tête, mais c'est toi-même qui est la cause de ces maux de tête. And also high pain. Et tu as mal, tu vas mal aux yeux, c'est toi qui es la cause de ce mal. Oui, je suis bon, maintenant, j'ai tout le temps mal dessus, à la tête, au bras, qui sent. But you said you are the cause. Mais tu as dit que tu es la cause. You said you don't want to stop, you don't want to become somebody. Tu as dit que tu ne veux pas étudier, tu ne veux pas faire l'école, tu ne veux pas devenir quelqu'un. Non, moi je veux faire l'école, ma mère m'a dit que je dois faire l'école. And right away, it's come. Do you know this woman? Tu connais cette femme? Is she to you? Elle est qui pour toi? It's a mother. Ta mère. You said you want to make her to become mad. Tu as dit que tu veux la rendre folle. You said you give her a headache. Serious headache. Tu as dit que tu veux donner des maux de tête. Non, c'est pas moi. It is not you. Ce n'est pas toi. It was a great spirit that speak out to you. C'est un esprit un peu qui est en toi. But right now? Maintenant? In the name of Jesus, au nom de Jésus, that is in the blood of Jesus water, has set you free. Jesus has delivered you. Amen. Go and serve the Lord. Make the word of God stand out of you. You are free. In Jesus' name. In the name of Jesus, in the blood of Jesus, fire all over your body. Fire all over your body. You headache. Go on, hold it there. You headache. Go on, hold it there. And command you. Je te commande. Out in the name of Jesus. Fire all over Jesus. Out in the name of Jesus. Fire all over Jesus. Out in the name of Jesus. Fire all over Jesus. Be set free. In Jesus. Sois déclaré libre au nom de Jésus. You are free. Tu es libre. You are free. Tu es libre. Go and make the word of God stand out of your life. Va et fais de la parole de Dieu le standard de ta vie. L'exemple de ta vie. Thank you. Merci Seigneur. Le salut est le plus important.
get out. Maman, tes bagages se sont. Out now. Sors maintenant. Out. Sors. Puissance. Thank you.
qui tu es. Who are you in this body? You are the one that is stupid. C'est toi qui es con. How do you destroy the health of the father? Comment tu fais la santé des hommes pas? Oh, il va être fou, il va être dead. Il va être dead. Il va être dueño. Il va être what? Il va être dead. Il va être dead. Il va être dead. Right now, is he dead? Maintenant, il n'entend pas. Il entend, il n'entendait pas une oreille. J'attaque l'autre. Il n'entend pas. Il va faire les examens. Il ne trouve rien. Il ne va pas écouter. C'est moi qui t'ai dit ça. He was not hearing with one ear and attacked the other. So the both ears are not hearing. They have been to the hospital to do examination. They find nothing at the cross. Why are you doing this to the father of this girl? Pourquoi tu fais ça au père de cette fille? Il veut marier la connasse. Dans notre famille, la famille Breton ne se marie pas. Il veut lui marier. Il ne lui marie pas. Ça, que je vois le bon toi, la connasse. Ah. Tu sais ça? Why does he want to get married to this stupid woman? In my family, we don't get married. Do you know she's a stupid woman? Oh. You cheater! Who is this woman to you? Toi, démon. Qui est cette femme pour toi? I see. The dog you see beside me is my slave. She has been my slave for a long time. You're welcome, sister. Who are you to this lady? Qui es-tu de cette fille? Is your daughter? C'est ta fille? You demon. Toi, démon. Who is this woman to you? Qui est cette femme pour toi? Celle-là. Je t'ai dit que la famille Breton, hein? Les femmes, ce sont les esclaves. Celle-là, c'est mon esclave. Ton mari, il faut lui dire que quand tu veux l'attraper, il va me sortir. Il a donné le bâtard là, non? L'enfant, il a donné. Et puis, elle ne veut même pas faire l'enfant. Elle ne veut plus. Dans notre famille, dans la chambre de ton père, celle qui a esclavé la dame, il y a une mari blanche. La mari, oh, tu poses le couteau, tu mets. Elle ne fait que l'enfant. Et c'est pour la peine de ne pas faire l'enfant. Elle est venue prier. Papa, il dit, papa, il dit, ton mari a donné des prophéties. Si avec ton mari, on va faire l'enfant. Elle va faire l'enfant. On va mener à attraper l'enfant. Et quand il va livrer 8 mois, 9 mois, 3 mois, ça va rester. Ouf, pardon, tu me fais écran là, tu me fais. What have you done to the pregnancy of this woman? Qu'est-ce que tu as fait à la grossesse de cette femme? Aïe, cet enfant là, on va lui manger. Il pleut, il neige. Tout le temps, la chienne va te parler là. Oh, Seigneur, protège mon petit frère. Parce que sa mère dit que c'est un garçon. Protège son petit frère. Il va s'appeler Joshua Ikila. Lui, parce que son père aime suivre le prophète Joshua Ikila, champion de Sili. Son père aime suivre ça. Il a dit que son fils va s'appeler Joshua Ikila. Oh, elle a dit, oh Seigneur, que mon petit frère qui vient là, il s'appelle Joshua Ikila, il veut être un prophète. Prophète mon œil. Yes, she says the woman always pray and say, oh God, help protect my little brother because she was told that he would be a boy. And the father of this boy liked watching Champions Television because the child, he says, will be called Joshua Ikila. So you always be praying, protect my child, protect this child. This dog we are going to eat, this child will kill the child. When do you plan to kill this baby? Come this morning and kill the baby. Okay. When did you plan to kill this baby? Quand est-ce que vous avez planifié pour tuer le bébé? On va le tuer. Elle va partir accoucher. C'est là-bas qu'on va prendre le bébé. Normalement, on ne devait pas prendre le bébé. Your plan has failed. Votre plan a échoué. Listen
How many are you in this body? Combien d'entre vous sont dans ce corps? Le serpent qui m'a mis là, pourquoi tu ne m'as pas tout mangé? Après, il s'est dit, le serpent qui s'est dit, pourquoi tu me donc vous êtes à toi? Non, non, il n'est pas toi. On est son père. The first. Hey! The first. La première personne, c'est lui. C'est son grand-père, côté paternel, son vrai père, côté paternel. L'homme qui vient avec elle, c'est son beau-père. Et il est celui de la seconde. Écoute-moi bien, la deuxième personne. La deuxième partie, c'est son grand-père côté paternel. Et la troisième personne, c'est moi, Chimna. Voilà. Il a tout dit. All of you. All of you. Vous tous. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Your time has come to an end today. Ah, votre temps est arrivé à sa fin aujourd'hui. Amen. Yes. Wisdom. What can you say? Concerning what the demon is confessing. Oui, sœur, qu'est-ce que tu peux dire concernant ce que le démon confesse? Maman, maman, Marie, je peux dire que tout ce que le démon confesse, c'est fait. Parce que depuis 3 mois, mon mari a commencé à avoir le mal des oreilles. En ce moment, il ne comprend pas. Il dit, non, il n'y a rien. Il n'entend rien. Il dit, non, il n'y a rien. On va lui mettre les bâtons, on va lui mettre les oreillettes. She says they are going to give the husband a hearing aid because he cannot hear completely. Mon problème est là, il est où? Tu meurs. And it's important for her with the pregnancy altogether, the husband who is there for the pregnancy. People of God, are you seeing the cause of your problems? Peuple de Dieu, vous avez vu la cause de vos problèmes? And he said it is ordinary, but look at it. It is unclean spirit. Vous pouvez vous dire que c'est ordinaire, donc c'est l'esprit impur. This kind of situation, doctor cannot give you any solution to it. Le docteur ne peut donner aucune solution à ce genre de problème. Where is your husband? Où est ton mari? You need deliverance after this time. Tell him to come and see us. Il a besoin de la délivrance et après, il faut lui dire de venir nous rencontrer. Tell him to come quickly and see the man of God. Demande à ton mari de venir vite rencontrer l'homme de Dieu. And he will be set free. He will be liberated. Lui aussi sera libéré. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Fear not. Amen. Amen. You will deliver safely. Il sera libéré de toi. Tu vas accoucher sans problème. Nothing will happen to you. Et rien ne va t'arriver. Your daughter will be delivered. Ton enfant sera délivré. Ton enfant sera délivré au travers de l'eau du sang de Jésus. You unclean spirit. Toi, esprit impur. What and what have you destroyed in the life of this woman? Speak of this girl. Speak. Toi, esprit impur. Qu'est-ce que tu as devenu dans la vie de cette fille? Yes, the evil spirit explains that she has eye pain. She has eye problems. She used to have very severe pain in her eyes. And I have given her also 2 kids. She has gastric pain and she has abdominal pain. She can stay sometimes 2 months, 3 months, 4 months without seeing her menstrual period. He said that is a gift. Et tu dis que c'est un cadeau. C'est ça, un cadeau. Tu penses que c'est un cadeau pour elle. C'est un cadeau. That's your evil gift. You are going to pack it and you'll put it by fire in the name of Jesus. Et ton cadeau, et puis tu vas ramasser ton cadeau, et puis je vais le brûler par le feu et tu vas sortir avec ton cadeau. What have you done to our statistic? Qu'est-ce que tu as fait à ces études? Va! À ces études, je n'ai rien fait. I've done nothing to our studies. What do you push this girl to do? Qu'est-ce que tu as poussé cette fille à aller faire? Cette fille-là, la fille que tu vois, c'est une boîte. Celle-là, elle est pâle comme une femme de 35 ans. La façon qu'elle conseille sa tante Hélène-là, celle qui au mariage entendu là-bas, elle allait voir un marabout. Oui, elle allait voir. La façon qu'elle conseille sa tante, elle est née.
à la communication. Je vais servir Dieu. Je vais servir qui a prêché. Moi, je vais aller dans le Coran. Car la Bible dit, Dieu cherche les vrais adorateurs qui adorera. En est en vérité. Elle est née. Elle ne va même pas lui servir. D'abord, on va passer à la maison. Je vais faire, c'est pas des papiers. Au bon nombre! Yes, it was really explained that this girl is a star. She's a very big, bright, shining star. And the way she can advise like someone who testified, yes. She said she used to advise her elder sister who is married and engaging. And she'll be talking to her mother. She said, Mama, I want to join the communication because I want to serve the Lord. Well, after she'll change her mind and say, I want to go to the choir because the Lord is seeking for true worshippers. She will keep saying things like that, that she wants to save God. Then she said, not yet, she wants to go to Israel. Right now, your time has expired in this body. Maintenant, ton temps est expiré dans ce corps. Are you hearing? Est-ce que tu entends? Now, pack whatever that belongs to you. Maintenant, ramasse tout ce qui t'appartient. Pack whatever that belongs to you. Ramasse tout ce qui t'appartient. The sickness you put in your father's body. La maladie que tu as mis dans le corps de son père. Pack it and get out of this body. Now. Ramasse maintenant et fais sortir de ce corps. Now. Maintenant. Pack it. Quickly. Rapidement. C'est vrai comme si j'allais me tuer. Pack your load and get out. Prends-tu la tâche et sors. I said pack your load. Your infirmity. And leave this body now. Je dis prends tes bagages, toutes tes infirmités, laisse ce corps maintenant. All of you. Vous tous. All of you. Vous tous. On your screens. Suivez vos écrans. As commanded by the servant of God. Commandé par la servante de Dieu. See the evil spirit removing all the longing to all the infirmities. Regardez comment l'esprit a pu entrer là. What kind of dance is that? Ça c'est quel genre de danse que tu danses? The mic! What kind of dance is that? Ça c'est quel danse que tu as fait de danser? Je me montre que tu es ton mari. Vous me faites mon monde. C'est du temps, c'est les familles ici là. On était bien. On était des manger le sang, la chair humaine. Vous êtes venus diviser. C'est lui qui t'a envoyé. It is enough. Vous êtes bon. It is enough. Jesus has come to take over the family. C'est bon parce que Jésus qui s'est venu pour prendre le contrôle de toutes les familles. Amen. Your time has come to an end. Ton temps est arrivé à sa fin. Right now, take away your iPad. Whatever infirmity you put into your body. Oui, ton temps est arrivé à sa fin maintenant. Prends ta douleur, ton mal de yeux. Et vous tous, prenez vos bagages et sortez. Quickly, don't waste my time. Rapidement, sortez, mais prenez pas de temps. We just grace. Suivez vos écrans. See the evil spirit. Regardez les spirits. Obey the instructions. That comes from the servant of God with authority and power from heaven. Oui, voyez les spirits qui obéissent aux instructions de Dieu par le servant de Dieu. Vous venez d'aller prendre ici là. Alors je rentre dans les forêts de ton mari. C'est tout là. Pack your ear blockage, your deafness out of the father's life. Pack your sickness and get out. Enlève cette maladie dans la vie de son père. He will hear right now. Okay. Il va écouter à partir de tout de suite là. Go here to the house. Même si à la maison. We hear a good news. He will be free. Vous avez écouté la bonne nouvelle. She will be free. Elle sera libre. Amen. 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 Jesus. The Bible says that the mention of the name Jesus.
La Bible déclare dans l'ancien nom de Jésus. Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus. Ah, je vais vous faire une langue. Get up now, get up now. Sors maintenant. Now. Sors. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Out. Go. Out in the name of Jesus. Oh, no, no, out in the name of Jesus. Oh, no, no, no. Out in the name of Jesus. Oh, no, no, no. Out in the name of Jesus. Oh, no, no, no. Out in the name of Jesus. Oh, no, no, no. Out in the name of Jesus. Oh, no, no, no. Out. Go. Out. Go. All of you. Remove. All of you. Remove. In the name of Jesus. Oh, no, no. In the blood of Jesus. Oh, no, no. By the power of the Holy Ghost. Oh, no, no. Out. Go. Out in the name of Jesus. Oh, hold on, this is you are free. Free in Jesus' name. Amen. Amen. Viens. Come, my daughter in the Lord. Come. Viens, ma fille dans le Seigneur. Viens. What happened to you? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne sais pas. Right away, you were on the floor. Tout à l'heure, là, tu étais à terre. C'est pas la sécurité qui se lève pour faire un bidet. C'est la sécurité. C'est la sécurité, hein? Where are they? Ils sont. Who is the one? C'est qui? This one. Celui-là. Did you push her? Tu l'as poussé. Did you push her? Est-ce que tu l'as poussé? He said he did not push you. Mais il dit qu'il ne t'a pas poussé. Did you push her? Est-ce que tu l'as poussé? He said he did not push you. Il dit qu'il ne t'a pas fait tomber. Il ne t'a pas poussé. Then who push you down? Il ne t'a pas fait tomber. You said so many things here. Tu as dit beaucoup de choses ici. He said you are the evil spirit called Shekinah. Tu as dit que tu es l'esprit impur appelé Shekinah. The queen of all queens. La reine de toutes les reines. Non, je ne suis pas la reine. Hein? Je ne suis pas la reine. But right now you said so. Mais tu as dit ça tout à l'heure. That you are the one that gives deafness to your father. C'est toi qui as fermé les oreilles de ton père. You can see her crying. Vous pouvez voir papa les pleurs. What happened to your father? Qu'est-ce qui arrive à ton père? Don't cry. What happened to your father? Ne pleure pas. Qu'est-ce qui se passe avec ton père? Mon papa n'écoute plus. Are you hearing? She says her father can no longer hear. But she said you are the cause. Tu as dit que c'est toi qui es la cause. Ce n'est pas moi. And he said you did not know this woman. You want to kill her and the baby. And she said, dog. Oui, tu as dit que tu ne connais pas cette femme. Tu veux la tuer avec son bébé. Elle est une chienne. Ma mère, elle aussi. She's your mother. C'est ta mère. But you call her a dog. Mais tu as dit qu'elle est une chienne. Non, je l'ai persuadée. Maman, you can see your daughter. This is your real daughter. Oui, maman. Tu peux voir ta fille, ça c'est ta réelle fille. The one that was speaking to her was not your daughter, it was an unclean spirit. Oui, la personne qui parlait à elle, ce n'était pas ta fille. C'était l'esprit impur. That was the cause of your husband's problem. Was, now he is healed. He will not know what he will be. Oui, l'esprit impur qui était la cause de la maladie de ton mari, le problème qui était la maladie de ton mari. J'ai dit, qui était? Parce que maintenant, ton mari est libre. Merci. And you also, you are free, your daughter is free. Et toi aussi, tu es libre, ton enfant est libre. Don't use what you confess or what the demon confessed to accuse her or to insult her. Oui, n'utilise pas ce que le démon confesse au travail d'elle pour l'accuser et l'inciter. My daughter, ma fille, you are free. Tu es libre. The Lord has delivered you through the blood of Jesus. What? Le Seigneur t'a délivré au travail de l'eau du sang de Jésus. You are delivered. Tu es libre. You are set free. Tu es libre. Go and make the word of God the standard of your life. Va faire de la parole de Dieu l'exemple de ta vie. Be free in Jesus' name. Soyez libre dans le Seigneur. Amen. Amen.
Put your